Nous avons aussi d'autres difficultés majeures, comme l'électrification, parce qu'en Pâques, il n'y a pas d'électricité. Aussi, l'eau, on puise ça dans les puits. On aimerait avoir aussi des robinets, entre autres. Donc, ce sont les principaux problèmes que nous avons en Pâques, en plus des machines pour pouvoir travailler la terre. Ce sont les principales difficultés qu'on rencontre ici en Pâques. Et on aimerait que l'État, les partenaires, puissent faire un geste pour vraiment soulager les populations. Aujourd'hui, quelles sont les principales activités des femmes à Oumpa? Donc, leur principale activité, c'est surtout le travail de la terre, les rizières. Mais elles s'activent aussi dans les petits commerces, quoi, la vente des fruits saisonniers surtout. Vous faites du maraîchage aussi? Le maraîchage, oui. Elles s'activent aussi dans le maraîchage. Et ça aussi, bon, comme vous le constatez, c'est pas aussi chose aisée. Parce qu'à chaque fois, le travail manuel, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi des aides par-ci, par-là pour faciliter le travail, comme je l'ai tantôt souligné. Donc vous réclamez la mécanisation de l'agriculture en général? Oui, la mécanisation de l'agriculture, mais aussi d'autres problèmes comme ceux de l'électrification, mais aussi comme de l'eau courante. On aimerait aussi avoir de l'électricité, des robinets, des machines pour faciliter le travail, ainsi qu'aux hommes qu'aux femmes.